Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi matin. C'est officiel. J'ai vraiment la crève. Ah, j'ai ma petite qui descend. Les enfants sont en train de finir le déjeuner. Vous avez vu une petite tête là qui dépasse, c'est le lit est descendu, donc c'est pour ça. Je voulais vous montrer les petites que j'ai dit. Je vais juste enlever les sous-vêtements parce que je ne monte pas les sous-vêtements. Donc j'ai prévu un petit jegging gris clair pour ma puce. Et ça y est, on n'a pas le choix, on sort. La pull, voilà. Et encore pour Lily, je n'en ai que 3 qui sont à sa taille. Donc clairement, il va falloir que j'aille en acheter. Parce que j'ai prévu surtout des t-shirts manches longues. Tu veux, je viens me faire squatter là. Voilà, je vous présente ma fille. C'est fort en chocolat. Comment t'as du chocolat là? T'as du chocolat partout. C'est pas grave? C'est pas grave. Voilà, elle fait comme ça avec ses mains. C'est pas grave, maman. Voilà, là elle est en sorte de pyjama. En fait, c'était beaucoup trop grand cet été, et maintenant ça lui va. Donc du coup, je lui mets en tant que pyjama, parce que sinon ça lui ira plus l'an prochain. C'était un 3 ans, mais il était vraiment grand. C'est une sorte de combi, et dedans, c'est tout mout mout chaud, en fait. Donc du coup, c'est bien. Pour Eden, on est sur un jean tape à l'œil. C'est un taille 5 ans, donc il lui va encore. C'est avec le bouton comme ça, là. Et ça, il se débrouille tout seul. Vous voyez, c'est le bouton qu'on enfile et qu'on met comme ça. C'est la deuxième étape après le clip, avant le vrai enfilé, où c'est une vraie galère. Avec lui, par contre, j'avais fait le plein, un petit pull standard. Zara, toi, tu fuis. On mange à table, mon cas. Allez. Allez. Bon, on est en voiture, on a posé les deux loulous. Alors là aujourd'hui Lily elle allait super bien et puis il y a plein d'enfants qui pleuraient parce qu'aujourd'hui c'est la première fois où ils étaient tous là hein, parce que lundi et mardi c'était deux groupes différents à chaque fois. Non, c'était la deuxième fois ce jeudi aussi. Je suis jeudi dans ma tête, mais on est vendredi. Et Lily du coup elle est toute contente, elle joue et joue. Puis d'un moment ça commence à devenir une vraie chorale en mode 5-6 qui pleurent, c'est ça hein. Et du coup, elle commence à voir son visage, en regardant les autres en mode. Je pense qu'elle se demandait ce qui se passait, qu'il devait y avoir quelque chose de triste, que tout le monde pleure. C'est quand je lui dis au revoir et que tout. Et du coup, on commence à lui dire au revoir, quoi, normal. Et puis, elle pleure pas, mais elle s'accroche à la jambe de papa et t'es pas trop d'accord du tout. Donc, du coup. Heureusement, aujourd'hui, il y a un anniversaire. Heureusement, aujourd'hui, il y a un anniversaire et il y avait des gâteaux. Donc, du coup, tout de suite, elle est allée vers les gâteaux, on lui a dit au revoir et tout. Et elle est restée plantée devant les gâteaux avec la tête. Je veux bien tout. Finalement, pour le goûter, je veux bien. Ouais, je pense que c'est vraiment qu'il y avait trop d'émotions dans la pièce qu'il a. Parce qu'habituellement, pas habituellement, ça fait que 3 fois. Après, c'est vendredi aussi, c'est fatigué. Hein. Ouais, ils sont peut-être fatigués. Parce que déjà ce matin, c'est elle qui nous réveillait. Hein. Ouais, ce matin à 6h50, elle était dans la chambre, je regarde le téléphone, je fais le réveil n'a pas sonné. Puis je vois l'heure, je fais ah non, le réveil n'avait pas encore sonné. Il était matinal, c'est tout. Mais ça ne m'étonne pas. La première chose qu'elle m'a dit, c'est maman, gâteau. C'est ma fille, c'est vraiment par faim qu'elle se lève, cette enfant. Elle a faim, beaucoup faim. C'est comme ça, elle aime la nourriture, que vous voulez. Elle a bien raison. La nourriture, c'est la vie. Bon, je vous retrouve à la maison. Finalement, nous n'avons pas trouvé notre bonheur. Donc, on va voir par mon beau-père parce qu'il a tout accès aux trucs professionnels. Donc, voir si on peut en trouver qui nous correspondent plus là-bas dedans. Voilà, donc là, du coup, on est rentré. Parce qu'on a décidé qu'on allait manger dehors. Et là, je suis en train de m'occuper de finir toute la planification au propre pour les tournages de lundi mardi pour Quoi de Neuf Bébé, puisque je remonte à Paris pour Quoi de Neuf Bébé. Donc là je suis en train de tout envoyer les derniers détails à la prod, donc l'équipe de prod. Après je vais avoir deux collaborations en cours à m'occuper, donc à créer les contenus, etc. Donc je ferai ça après. Il est 10h23. Bon, si on mange à midi et demi, c'est pas gênant mon cœur, mais pas les enfants. Et après je vais attaquer en rentrant tous les rangements des jeux, des loulous. On va remonter la tour, tous les bacs. Et l'objectif, c'est que d'ici 16h, j'ai pu torcher le plus gros. Avant qu'ils rentrent. Parce que s'ils rentrent et que je suis en train de tout trier, eux, ils vont tout sortir. Et là ça va être compliqué. Et je vous ai pas dit, j'ai fait aussi remonter le four à Anthony. Parce que celui-là ne marche pas, les plaques sont trop fortes. Enfin, je pense, on s'est dit avec Anto, là, c'est pas possible, la gazinière, ça fait n'importe quoi. On va la virer, on va prendre juste un truc de plaque électrique en plus. Et, enfin, électrique, je sais pas quoi, gaz, quitte à avoir acheté une bonbonne de gaz, autant prendre une plaque au gaz. Mais il faut juste, comme c'est un four encastrable, qu'on installe un système en dessous provisoire pour qu'on puisse l'avoir. Et je vais pouvoir mettre à faire mes gâteaux, tout ça. Cela pour le moment c'est un peu la loose totale quoi. Moi qui aime bien faire des repas pratiques, les gratins, les tartes, etc. Parce que je suis pas cuisine et une tarte ou un gratin, bah, ça fait un plat complet. Vous voyez, vous avez tout dedans, les légumes, etc.
les féculents, voire même la viande quand vous voulez, et il n'y a pas besoin de surveiller, vous mettez le minuteur et ça se fait tout seul, quoi. Le genre de plat que moi j'adore, mais que pour le moment, bah, je ne peux pas faire, quoi. Donc je suppose que d'ici ce week-end, ça devrait être fait, Anto devrait pouvoir avoir le temps de le faire. Donc je vais pouvoir enfin cuisiner. Et ce que vous entendez, c'est la vaisselle qui est en train de tourner. Bon, coucou, il est 18h45, à peu près. Enfin, j'ai regardé le téléphone, mon téléphone. Je viens de me mettre dans la cuisine pour m'occuper du repas de ce soir, parce que mine de rien, ça a passé à tout seul. J'ai du mal à être inspirée en ce moment, donc du coup j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Il nous restait des saucisses à passer, des saucisses de Toulouse. Donc je l'ai fait avec des lentilles que je suis en train de faire cuire. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Ça doit avoir une Lily, là. Elle a douché, pyjama, ça c'est déjà fait, ça. C'est belle, j'adore cette petite boucle naturelle comme ça lui va super bien. Voilà, voilà, donc je fais le petit repas et ma mère nous a gentiment ramené des roses des sacs, je sais pas si vous connaissez. C'est ça. Avec du chocolat, des céréales, et après vous ne me demandez pas comment. Je crois que c'est quelque chose de tout ça pour dire qu'elle aime beaucoup, donc elle a dit qu'elle lui en ramènerait pour lui faire ce plaisir. Donc voilà, du coup il y a des petites roses des sacs, ça servira surtout pour le petit déjeuner de demain. C'est du plaisir, donc c'est deux chacun au petit déjeuner, voilà. J'ai une basilic qui a été arrachée, enfin ça a pas l'air daté hier, donc il faut que je m'occupe de la recoller, donc je l'ai posée là. Je l'ai mis au minimum, ouais, le feu, je pense que... Ouais, ça va. Donc les saucisses de Toulouse sont pour moi en train de décongeler. Je vais décongeler au micro-ondes, je connais pas d'autres techniques, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, pour le moment je suis comme ça, écoutez. Mais oui, il faut qu'on se règle avec ce problème, parce que regardez, à chaque fois elle nous crame toutes les poils. Ça se nettoie, ça se récupère, mais clairement c'est pas fameux, quoi. Donc voilà, et du coup avec, ça va être ceci, les petites lentilles que je vais faire cuire. Voilà, voilà, avec les saucisses, faut que je regarde ce que je peux mettre comme sauce. J'ai regardé un peu sur internet ce qui se fait. Mes saucisses lentilles, moi personnellement, j'aime bien. Donc voilà, ça sera le repas de ce soir. Ooh, ooh, ooh.